Well, Quantic Dream is a special studio in that way that we are fascinated by narrative and emotions and games, but at the same time we develop technologies for 21 years since we started. And for each game we develop a new engine. We want to push the technology as far as we can. And Detroit was so demanding regarding the scenes that we wanted to create that it really forced us to push the envelope in pretty much all aspects of the technology. You get to video games and you have to build a relationship with the 3D engine team. They're the guys that turn your vision into a reality. Basically, in video games, nothing exists until they build it. Alors cette salle, c'est la salle de mocap. C'est la salle où tout se déroule. C'est une salle qui est très importante puisque c'est vraiment là où tous les acteurs sont capturés, exécutent leur performance. Il faut quand même bien se rendre compte qu'autour de nous, cette salle elle est totalement vide. Il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de murs. Et c'est vraiment un challenge pour les acteurs puisqu'en fait, ils doivent s'imaginer les décors 3D dans lesquels ils vont être amenés à jouer sans les avoir autour d'eux. Une fois que nous avons choisi les acteurs, nous les scannons afin d'avoir tout simplement leur double digital, c'est-à-dire que nous scannons leur visage, leurs mains, tous les détails qui constituent leur morphologie. We redesign entirely our system of performance capture, which is how we capture actors, their face, their voice. We have a system that is absolutely non-intrusive. We use very small markers, so there's no backpack, no helmet, no lamp, nothing. It's just the actor with markers. Le but, en fait, de la motion capture, c'est de récupérer au maximum le mouvement des acteurs, que ce soit les mouvements du corps ou les mouvements du facial. On fait de la performance capture, c'est-à-dire qu'on capture à la fois le corps et le visage, et à partir de là, ça nous permet de retranscrire le plus fidèlement possible tout cet acting de l'acteur sur les personnages du jeu. 3D Engine Team, they're the guys that build the software that generates the images that you see 30 times a second. And you look at the CG world where it takes them 5 to 10 hours to render a single frame, and here we're doing it 30 times a second. It's just amazing. Travailler sur PS4 Pro, ça a été du bonheur parce que tout simplement c'est une très très belle console avec vraiment une possibilité de travailler le visuel. On a notre propre moteur, donc déjà ce moteur il est très performant. Il est vraiment dédié à cette console, c'est-à-dire un rendu réaliste avec un rendu de lumière réaliste et une restitution de la lumière réaliste. Sur les matériaux, mais surtout ce que ça nous a permis de faire, c'est de sortir un jeu qui est en 4K natif. Ça c'est vraiment génial parce que pour l'image, le piqué d'image, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. PlayStation 4 Pro allowed us really to get a really high res and get very very precise rendering with still a very high frame rate. So that was really what we wanted to achieve with this platform that would have not been possible before. We worked very hard on what we call the depth of field, which is what is blurry in a shot. People are very familiar with that. And actually, we did that because of Mark Cerny. He came when we did this first demo. Mark Cerny is, of course, the man behind the PlayStation. He came and he said, "Oh, your engine looks good. It's too bad that your depth of field is not as good as it could be." And then we were so upset when he left. We talked together and said, "What are we doing with the depth of field? We need to fix that." And the team worked very hard and they found an incredible solution. Of course, that's just the technical and the visuals. Visuals is not everything in a game. What we had to develop is brand new tools in order to create this crazy branches in the narrative, make sure that we could track all the variables, that we could debug any issues, and there were plenty of issues that we had to fix, as you can imagine. I could talk about technology for hours, but I think that's it.